bonjour. Voilà mon cher ami Monsieur Fall. Bonjour Monsieur Ndiaye. Comment allez-vous? Ça va? Soyez le bienvenu. Ça va, merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à Littérature. Pour ce deuxième numéro de révision de philosophie, je me retrouve au lycée mixte Maurice de la Fosse avec mon ami et collègue Monsieur Modou Fall. Modou, bonjour. Bonjour, Monsieur Ndiaye, comment allez-vous? Pour ce deuxième, je vais bien, merci. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. J'espère que les élèves vont bien aussi. D'accord. Alors, Monsieur Fall, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux élèves. Effectivement, je voudrais proposer aux élèves un texte de commentaire philosophique. Donc, un texte de Anne Baudard. Mais c'est une bonne chose parce que la dernière fois, j'avais fait un sujet de dissertation. Ah, donc ça fait l'occasion alors. Oui, de voir le deuxième type de sujet proposé aux élèves. Alors, je vais donc, vous laisser... C'est un texte sur la création artistique. Sur l'art, déjà. Oui, sur l'art, oui. Okay. La dernière fois, on a parlé des sciences. Aujourd'hui, on va parler de l'art. Ok. Alors, je ne vais pas trop véritablement prendre votre temps. Peut-être juste le temps que vous nous lisiez le texte pour qu'on ait un aperçu avant que les élèves ne démarrent. D'accord. Voilà. L'homme de l'art, l'artiste, offre une parenté certaine, une analogie avec Dieu. Il permet au nouveau, à l'inédit, de prendre forme. Matière, consistance et existence. Il donne à voir l'invisible, il révèle, il dévoile, montre, je cite, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Fin de citation. Mais de quelle nature est son œuvre? N'est-elle pas une fois achevée un petit univers, un organisme, un complexe forme matière? La création ne va pas en outre sans mobiliser en nous et hors de nous les forces de contestation, de refus, de négation, voire de destruction. Des mouvements célèbres tels que le surréalisme et le dadaïsme l'ont montré avec plus de violence, peut-être que d'autres. Le cubisme aussi est dit mettre l'art sur le chemin de la création absolue, inventive, immédiate. L'art connaît ainsi non seulement des évolutions, mais aussi des révolutions, selon le mot de Malevitch. Donc le texte est de Anne Baudard. Un texte de Anne Baudard. Alors moi, je vais vous laisser avec vos élèves. Sans problème. Vous allez donner le top pour qu'ils démarrent l'épreuve. Le don tomodo so mané defal ko lepp bax yi you la do bis bi ma sonni yam dun digal suma riri deug deug geureum Get up.
sujet? Bon, le sujet je trouve très abordable parce que je me sens plus à l'aise dans l'art. Alors, parce qu'en général, tu sais que les élèves de S aiment bien les sujets sur l'épistémologie. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, je préfère l'art au lieu de l'épistémologie. Et quelles étaient les difficultés rencontrées? Les difficultés rencontrées. Pour moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés parce que moi, je suis élève en classe de terminale S2, mais je trouve la philosophie très abordable, très importante. Et si vous devez attendre une note, autour de combien vous espérez avoir? Non, environ 14. 14. Nous avons fait un sujet portant sur le commentaire qui est l'art. L'art est une production non utilitaire ayant pour finalité la recherche exclusive du beau. Bon, mais c'est un débat très ouvert parce que il nous a permis de connaître que l'artiste peut être comparable à Dieu. Donc, nous pouvons conclure que il nous permet d'attirer nos attentions. Bonjour, je suis élève au lycée de La Fosse en classe de terminale L1B. Nous avons fait un sujet de commentaire portant sur l'art et la réalité. En effet, ce commentaire nous a permis de savoir les différentes fonctions de l'art. Plus précisément, on a eu à comparer l'artiste à Dieu du fait que tous les deux, ils créent un univers. Par exemple, l'artiste a créé un tableau d'art en reflétant son monde, or que Dieu a créé ici le monde, ici-bas, où nous vivons. Aussi, au cours de ce commentaire, nous avons pu savoir que l'artiste, en peignant son œuvre, peut extérioriser ses sentiments au-dedans de lui. Et selon vous, quelle est la différence entre le commentaire et la dissertation, les deux exercices? Ils n'ont pas réellement beaucoup de différence du fait que le commentaire, on se base uniquement du texte, alors que la dissertation, nous sommes amenés à apporter notre connaissance personnelle et à nos connaissances lors de nos lectures, etc. Alors que le commentaire, on se focalise simplement sur le texte. Ça. Alors, Johnum, qu'est-ce qui est plus facile entre le commentaire et la dissertation pour vous? Bon, pour moi, je pense que c'est le commentaire parce que on ne commente que ce qui est sur le texte. Mais à la différence de la dissertation, on vous demande de mettre en œuvre vos connaissances et de donner votre point de vue. Mais pour le commentaire, il s'agit juste de faire de comprendre le texte et de rédiger. Et sur cet exercice, vous attendez combien comme match pour finir? Bon, à peu près 12. Je vous souhaite bonne chance, mademoiselle. Vous vous attendez combien comme match? C'est bon. J'espère avoir plus que la moyenne. Plus que la moyenne. En tout cas, bonne chance pour Merci. Cet exercice et pour le bac. Merci. Et surtout, j'ai vu que en fait, certains élèves n'ont pas fait la partie discussion. Effectivement. Voilà, c'est comme si ils n'avaient pas compris qu'après avoir commenté le texte, qu'il fallait nécessairement faire une discussion. C'est vrai. Donc, c'est ça. C'est vrai. Et il y a aussi des problèmes qui sont liés à leur niveau de langue, comme d'habitude. Les élèves sont confrontés à un problème de méthodologie. C'est-à-dire comment articuler la théorie méthodologique à la pratique. C'est justement le même cas. D'abord,
Par exemple, beaucoup d'élèves ont tendance à confondre dissertation et commentaire. Parce qu'ils ont tendance à extraire, par exemple, un centre d'intérêt du texte. Ils disent tout ce qu'ils savent sur ce centre d'intérêt, prétexte pour ne jamais revenir au texte. Or, dans le commentaire, il faut être fidèle aux articulations du texte. Autre chose également, il y a la paraphrase ou la répétition de l'auteur sans jamais éclairer sa pensée. Oui. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, concernant le développement, parce que le développement concerne deux parties. Il y a la première partie qui concerne l'explication détaillée, où l'élève doit être l'avocat de l'auteur, défendre sa pensée. Ensuite, dans la deuxième partie, ou discussion, donc appelée évaluation critique, soit positive ou négative, là, l'élève peut soit dégager les limites du texte, ou bien les mérites de l'auteur, ça dépend. Oui. Mais comme vous dites, généralement, les élèves, certains se limitent à l'explication, et également, quelle explication ? Donc, en ce qui concerne le texte, d'abord au niveau de l'introduction, il s'est avéré que les élèves ont pêché par rapport à l'introduction. D'accord ? Parce que l'introduction d'un commentaire, ce n'est pas l'introduction d'une dissertation. Autrement dit, en ce qui concerne l'introduction, l'élève peut d'abord présenter brièvement le texte. Donc brièvement, c'est-à-dire que là, maintenant, vous n'avez pas autant d'éléments en ce qui concerne la biographie de l'auteur. Donc vous n'avez pas besoin de faire comme un commentaire historique, dire que l'auteur est né, il est mort, non. Donner l'idée générale de façon précise, d'accord ? Dégager l'idée générale de façon précise. Exemple ici, l'auteur tente de nous montrer que l'artiste qui crée est à l'image de Dieu. Donc, il y a une comparaison entre l'artiste créateur et Dieu lui-même. Autant l'artiste également, en imitant Dieu, crée un monde microscopique, c'est-à-dire un petit monde avec ses éléments. Par exemple, prenons le théâtre. Donc, à travers le théâtre, donc, il y a des acteurs, donc, on a l'impression que la vie est un théâtre et les hommes sont des acteurs. Donc, l'artiste ici, en créant son scénario, donc il est comme Dieu qui a créé les êtres humains, lesquels êtres humains sont quelque part des acteurs. Mais ici, l'artiste le fait de manière microscopique, c'est-à-dire dans un petit univers. Autre chose également, évitez de faire un commentaire linéaire, ligne par ligne. Parce que si vous divisez le texte en ligne, ou bien par ligne, donc, vous pouvez vous répéter. Autrement dit, une idée à la première ligne peut se trouver dans la quatrième ligne ou la cinquième ligne. L'auteur a tendance à comparer de façon absolue l'artiste et Dieu. Or, ici, l'artiste, quand bien même il est créateur, il s'appuie sur un don, etc., il ne peut pas créer à partir du rien. Il ne peut pas s'adonner à une création ex nihilo. Tout à l'heure, je l'ai évoqué en disant que le sculpteur ne peut pas ne pas partir du bois ou de la pierre. Donc, le bois ou la pierre vont servir de matière première pour le sculpteur. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Faye. Je vais simplement insister sur certains aspects et peut-être sur la manière d'écrire le commentaire, sur la manière dont l'élève devrait procéder pour arriver à produire un commentaire de texte. D'abord, ça passe d'abord par une lecture attentive du texte. L'élève qui lit l'homme de l'art, c'est pas l'homme de la télévision, c'est pas l'homme de la caméra, c'est pas le caméraman. L'homme de l'art, c'est qui ? C'est l'artiste. Il offre une parenté certaine, une analogie avec Dieu. Ça, tous les élèves devraient le souligner. Une analogie, une comparaison, une ressemblance avec Dieu, qu'il faut dialoguer avec le texte. La question qu'on peut se poser tout de suite, mais qu'est-ce qui fonde cette analogie, qu'est-ce qui fonde cette comparaison? Et la réponse doit être trouvée dans le texte. Si vous vous posez la question, elle vous guide, elle vous dit
que vous allez chercher des éléments de comparaison. Dieu est un créateur. L'artiste est un créateur. Dieu crée un univers. Est-ce que l'artiste crée un univers? Le texte dit, il crée un univers. Il permet à l'inédit. Quelque chose est inédit quand je ne l'ai jamais vu. Il permet à quelque chose d'invisible. Le monde que Dieu a créé, je le vois. Quelque chose d'invisible. L'artiste va sortir quelque chose d'invisible. Donc, il va nous le montrer. Comme Dieu, en créant un univers, nous montre un monde, un univers. Donc, c'est ça les éléments de l'analogie entre l'artiste et Dieu. Mais l'univers que l'artiste crée, d'où est-ce qu'il le tire? Il crée. D'où est-ce qu'il va prendre les éléments pour créer son univers, son monde? Et le texte répond. Donc, les éléments que vous allez expliquer sont dans le texte. Il dit, cet univers, je le tire de ce qui est hors et en nous. Or, c'est d'or. Alors, qu'est-ce qui est d'or et que l'artiste peut me montrer? Ce n'est pas ce que je vois. Peut-être des vérités cachées, des beautés cachées qui n'attirent pas mon attention. Ou bien peut-être que mon regard n'est pas suffisamment pénétrant pour voir au-delà des apparences. Bergson dit que le monde est recouvert comme un voile. Donc nous, l'homme ordinaire, qui n'avons pas le pouvoir de l'artiste, nous voyons les apparences. L'artiste qui sait voir à travers ce voile-là nous révèle ce qu'il a vu. Mais d'où l'artiste tire-t-il les éléments de sa création? C'est ce qui est en nous. Ce qui est en lui, l'artiste. Ce qui est en lui. Qu'est-ce qui est en lui et qu'il peut me montrer? Qui peut être le ressort de la création? C'est ses angoisses, ses désirs, ses sentis, ses sentiments. Donc, l'artiste, à partir de là, sort un monde tout à fait nouveau. Et M. Fall vous l'a montré tout à l'heure. Un tableau, c'est un univers, c'est un monde. Avec ses couleurs, ses personnages, son relief. Un film, c'est un univers. Avec ses personnages, son temps. Ça peut être une journée. Alors que notre temps, le temps du monde, de l'univers que Dieu a créé, est beaucoup plus long. Ici, c'est un petit univers, comme dit le texte. Un univers en miniature. Un univers comprimé dans un poème est un univers en miniature. Un univers comprimé dans un tableau, c'est un petit univers. Un univers exprimé dans une œuvre, dans une pièce de théâtre qui dure 1h30, nous avons fait plus de 50 ans et nous sommes toujours là. Donc, ce n'est pas le même temps. Un univers comprimé en 1h30, c'est un petit univers. Donc, l'artiste crée un univers avec ses hommes, ses lois, ses couleurs, des rencontres, des séparations, comme dans la vie réelle. Et l'auteur va même jusqu'à montrer que, en citant certains mouvements, comme le cubisme, que l'artiste crée dans l'absolu. Il crée dans l'absolu, c'est créer quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité que nous regardons tous les jours. Je passerai la parole à Madame Doy pour qu'elle vous parle davantage de la forme du commentaire de texte. Parce que vous avez besoin de cela, la forme. Voilà, donc je remercie M. Faye et M. Fall qui m'ont précédé.
Et en ce qui me concerne, je ne vais pas revenir sur le texte, d'accord, qui a été commenté aujourd'hui. Mais je vais vous parler plutôt du commentaire de manière générale, c'est-à-dire les généralités du commentaire de texte philosophique. Et les élèves, de manière générale, aiment bien faire des exercices de commentaire parce qu'ils partent du principe selon lequel le commentaire de texte philosophique est beaucoup plus facile que la dissertation. Dans l'imaginaire populaire de nos apprenants, il est plus facile de faire hors sujet dans un exercice de dissertation que dans un exercice de commentaire. Ce que nos apprenants perdent de vue, c'est qu'en fait, c'est aussi un exercice difficile. Difficile pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des attentes. Difficile pourquoi? Parce que c'est un exercice qui requiert une certaine culture philosophique que nos élèves de terminale n'ont pas de manière générale. Et la première donc des règles, c'est d'abord et avant tout une leçon de lecture. Lire un texte. D'ailleurs, et là, j'évoque Descartes, qui en nous donnant une leçon de lecture de son texte, le discours de la méthode, nous demandait tout simplement de le lire au moins à 4 reprises. Une première lecture d'abord, comme s'il s'agissait d'un roman. Une deuxième lecture où il fallait souligner les mots difficiles et les concepts difficiles d'accès. Une troisième lecture où on introduit, d'accord, les mots difficiles, la signification des mots difficiles, et seulement à partir de la quatrième lecture, j'ai bien dit à partir de la quatrième lecture, là les choses vont devenir compréhensibles. Donc si un auteur comme Descartes nous demandait de lire au moins son texte à 4 reprises, cela voudrait dire tout simplement que les élèves doivent prendre le temps de lire le texte. De lire le texte à plusieurs reprises, de lire le texte de manière attentive, de lire le texte en s'arrêtant sur à la fois les difficultés, la ponctuation, l'orthographe des mots, tout cela est important. Tout à l'heure, je l'ai dit, et M. Faye l'a repris, mais la répétition étant pédagogique, je reviens sur le fait qu'une lecture philosophique ne peut pas être une lecture tout simplement passive, mais c'est une lecture active. Interroger, lire un texte en philosophie revient à interroger le texte. Quand l'auteur dit ceci, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que signifie tel concept? Pourquoi il l'a employé de telle manière? Pourquoi tel mot a été rédigé en italique et non dans son format normal? Pourquoi, tout simplement, il a pris la peine de souligner tel mot, etc. Voilà comment on doit lire en philosophie un texte. Mais aussi s'arrêter sur la ponctuation. Les élèves ont tendance à oublier l'importance de la ponctuation dans un texte. Les deux points, et là je parle sous le contrôle d'un professeur de lettres, les deux points n'ont pas la même signification qu'un point virgule. Et les élèves doivent prendre tout cela en considération dans la phase de lecture. Et d'ailleurs, je suis toujours scandalisée quand je vois, après avoir lu une fois, deux fois, les élèves, le texte, que les élèves se mettent tout simplement à écrire. C'est un scandale. Il faut prendre le temps de pénétrer l'économie du texte, de vous familiariser avec les propos de l'auteur et de comprendre les différentes articulations du texte. Maintenant, après la phase de lecture, qui doit nous permettre, si elle est bien menée, de partir non seulement de comprendre non seulement ce que l'auteur dit de manière explicite, mais les choses qu'il n'a fait que suggérer et également ses intentions inavouées, à partir de ce moment-là, on peut commencer justement le travail proprement dit. Et cela justement obéit à un certain nombre de règles. La première des règles, ce qu'on vous demande, c'est de présenter le texte, de faire ce qu'on appelle généralement une situation du texte. Et puisque parfois, on peut vous présenter des auteurs que vous ne connaissez pas, ou bien parfois que vous connaissez, si vous connaissez l'auteur, c'est une chance, c'est un plus. Mais si vous ne connaissez pas l'auteur, vraiment, vous connaissez son nom, vous pouvez partir de là pour dire tout simplement que le texte qui vous a été présenté est écrit par tel auteur, etc.
et vous en limiter là. Si maintenant c'est un texte anonyme, il y a aussi une manière de prendre en charge ce texte. C'est de dire tout simplement que ce texte qui vous a été présenté est un texte anonyme et c'est de cette manière qu'il faut prendre en charge tout simplement des textes où il n'y a pas d'indication. Ou bien si on vous donne le titre de l'ouvrage, là aussi c'est un élément de base qui va vous permettre de dire que ce texte qui est soumis à votre réflexion est tiré de tel ouvrage, etc. Après donc la phase situation du texte, je suis dans l'introduction qui comprend vraiment les phases que je suis en train d'énumérer avant d'en venir au développement et à la conclusion parce que le commentaire de texte philosophique comprend trois parties. Donc dans l'introduction, il faut faire une situation du texte. Après la situation du texte donc, il faut dégager ce que certains de mes collègues appellent soit thème ou bien l'idée générale. En quoi consiste-t-elle cette idée générale? C'est tout simplement l'idée qui parcourt tout le texte, du début à la fin. Et on retrouve cette idée générale en posant la question suivante, de quoi s'agit-il dans ce texte? De quoi est-il question dans ce texte? C'est de cette manière justement qu'on trouve l'idée générale. Et donc, après avoir trouvé l'idée générale, là, il faut parler tout simplement de la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est quoi? C'est la manière tout à fait particulière que l'auteur a de prendre en charge l'idée générale. Vous n'êtes pas sans savoir tout simplement que les problèmes en philosophie ont une particularité et cette particularité consiste à avoir au minimum deux solutions. Un problème en philosophie a au minimum deux solutions. Et donc, il y a donc ce qui revient à dire qu'il y a au moins deux manières de prendre en charge un problème philosophique présenté dans le texte. Maintenant, le fait de dégager l'idée générale, revient tout simplement à montrer la manière dont, tout à fait particulière dont l'auteur prend en charge l'idée générale. Ça, son identité propre, la manière dont le problème philosophique est pris en charge par l'auteur. C'est ça qu'on appelle l'idée générale. Et généralement, donc, les élèves ont du mal à faire le départ entre l'idée générale et la thèse de l'auteur. Les deux ne sont pas la même chose, ne signifient pas la même chose. L'idée générale, c'est l'idée qui parcourt le texte de long temps large, d'accord? Tandis que la thèse de l'auteur, c'est la manière tout à fait spécifique, particulière, dont l'auteur prend en charge cette idée générale. Après cette phase, donc, il faut tout simplement voir l'articulation du texte. Autrement dit, comment est structuré le texte? Ou si on préfère, pour faire plus simple, on parle tout simplement du plan du texte. C'est-à-dire, combien de parties, d'accord, combien d'idées essentielles nous trouvons dans le texte? Combien d'idées essentielles parcourent le texte? Et donc, ici, on va parler d'idées essentielles. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un style qui rappelle, qui ressemble à beaucoup d'égards aux commentaires composés que vous avez l'habitude de faire en français. D'accord? Et donc, ici, on cherche, en français, on vous parle de centre d'intérêt. Mais ici, on va vous parler d'idées essentielles. Pourquoi il est intéressant de découper le texte en fonction des idées essentielles? Parce qu'une même idée peut se retrouver soit et au début, au milieu, parfois même et à la fin du texte. Et donc, si vous divisez le texte de manière linéaire, d'accord, vous passez à côté de l'essentiel. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de diviser le texte en fonction des idées majeures, des idées essentielles qui parcourent le texte. Donc, et là, vous avez annoncé ce qui va constituer votre plan. Je récapitule rapidement la phase introductive qui comprend donc, 1, la situation du texte, 2, l'idée générale, d'accord, et la thèse de l'auteur, 3, donc, articulation du texte. C'est clair? Et après cela, il y a la phase de développement qui comprend 2 étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle communément le commentaire proprement dit. Qu'est-ce qu'on attend de vous ici? Ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez en charge les idées essentielles qui avaient été
clairement, d'accord, identifié au cours de votre lecture, mais que vous avez déjà annoncé par votre, au niveau de votre plan déjà. D'accord? Et donc, il faut prendre la première idée essentielle, la commenter entièrement, d'accord, tout en partant toujours du texte et en revenant du texte. Ne jamais trop s'éloigner du texte. Et tout en évitant deux problèmes majeurs que les élèves ont l'habitude de faire quand il s'agit de commentaires. Paraphraser les idées de l'auteur, se servir du texte comme un prétexte de dissertation et trop s'éloigner du texte. Voilà les deux choses qu'il faut éviter inévitablement. Donc, pour ce faire, il faut toujours partir du texte et revenir au texte sans jamais s'en éloigner. Mais également expliciter tout. Les concepts philosophiques que vous avez l'occasion de connaître, il faut les expliquer. Les mots, certains mots, pour l'emploi de certains mots, pourquoi, en fait, ce que signifie ceci, etc. Dans le texte qui nous a été présenté tout à l'heure, je n'ai pas l'intention d'y revenir parce qu'ils l'ont fait de manière fort brillante, ma foi, d'accord? Par exemple, quand on dit analogie, qu'est-ce que ça veut dire, analogie avec Dieu, etc. S'arrêter sur les mots, les expliquer, expliquer la pensée de l'auteur, d'accord? Et tout cela dans un souci de cohérence logique, d'une certaine rigueur, mais également d'une capacité à faire une analyse approfondie de ce qu'a dit l'auteur. D'accord? Et voilà comment vous devez procéder. Donc, expliciter, d'accord, les idées de l'auteur, tout en ne lui faisant pas dire des choses qu'il n'a pas dit, d'accord, dans, tout cela, évidemment, dans un souci de cohérence, mais également dans un niveau de langue acceptable. Parce que nous sommes en philosophie et la philosophie a une particularité, c'est qu'elle se fait dans un niveau de langue soutenu. Donc, tout cela doit être rédigé avec rigueur. Avec rigueur, dans un niveau de langue acceptable. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, il faut, voilà comment il faut procéder avec la première idée, s'il y a plusieurs idées essentielles qui parcourent le texte. Et vous allez faire la même chose avec la seconde idée. Et s'il y a trois idées essentielles, vous devez faire la même chose avec. Est-ce que vous voyez? Toujours partir du texte, revenir au texte. Expliciter encore et toujours les idées de l'auteur. Est-ce que c'est clair? Après cette phase qu'on appelle communément, tout simplement la phase du commentaire proprement dit, il y a une seconde phase maintenant. Et là, c'est généralement la bête noire des élèves, c'est-à-dire c'est la phase discussion. Parce que pour discuter la pensée d'un auteur, il faut avoir une certaine culture philosophique. Il faut savoir toutes les pensées ayant trait à la pensée de l'auteur et qui ne sont pas elles, pour ainsi dire. Et donc, c'est de cette manière seulement qu'on parvient à montrer les limites de la thèse de l'auteur. Vous voyez, j'ai pas dit le contraire de la pensée de l'auteur. J'ai dit tout simplement les limites de la pensée de l'auteur. Si vous pensez que cette pensée a une limite, évidemment, parce qu'il peut arriver que vous soyez d'accord avec l'auteur, que vous ayez des arguments pour tout simplement étoffer davantage les idées de l'auteur, là, vous abondez dans le même sens que lui. C'est une manière aussi de critiquer le texte. Mais l'autre manière également de critiquer le texte, c'est de voir là où l'auteur devrait orienter le débat autour de cette question, ce qui revient et qu'il n'a pas fait, ce qui revient à dire tout simplement qu'il y a des enjeux, d'accord, en ce qui concerne le problème philosophique posé par le texte et qui n'ont pas été pris en charge par l'auteur. Vous l'évoquez et vous montrez tout simplement que ceci constitue une limite à sa pensée. Il aurait dû aborder la question sous cet angle, mais il ne l'a pas fait. Et là aussi, la phase de discussion doit être rédigée de manière cohérente, de manière logique, de manière rigoureuse, d'accord, en allant toujours à la ligne. Si vous n'êtes pas à la ligne pour changer d'idée, entre les paragraphes, entre les deux idées,
ou bien tout simplement, si vous êtes déjà à la ligne, de décaler de trois carreaux pour qu'on puisse voir tout simplement que là, évidemment, vous êtes en train d'évoquer une idée nouvelle. Donc, voilà ce que nous attendons de vous dans la phase de discussion. Donc, il y a deux manières d'aborder cette phase, si je récapitule. Soit vous êtes d'accord avec la pensée de l'auteur, vous apportez des éléments nouveaux, d'accord, pour aborder dans le même sens que lui. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec sa pensée, ou bien vous pensez qu'il y a certains aspects du problème qu'il aurait dû évoquer et qu'il n'a pas évoqué. Dans ce cas, vous montrez les limites tout simplement de son travail, tout cela de manière cohérente, logique et rigoureuse. Voilà ce que nous attendons de vous dans la phase de discussion. Maintenant, il y a la dernière étape, d'accord, de cet exercice de commentaire qu'on appelle communément la conclusion. D'accord? Et j'attire votre attention sur le fait qu'une conclusion, elle est importante. Généralement, les élèves fatigués par 3 ou 4 heures de réflexion, d'accord, se précipitent pour faire une conclusion en 10 minutes. Je vous le déconseille vivement. Pourquoi? Parce que tout simplement, une conclusion, ça, c'est toujours la dernière chose que le correcteur au bac va lire de votre travail. D'accord? C'est comme un moment, le moment de se dire au revoir. Quelle que soit l'importance de ce qui a été dit, si vous ratez votre conclusion, vous diminuez inévitablement votre note. Parce que, en fait, c'est comme si, si quelqu'un venait chez vous, vous l'accueillez bien, d'accord, vous l'installez, vous lui achetez des collations et tout, et au moment de partir, vous lui donnez une bonne claque, la personne se souviendra davantage de cette claque, plus que de tout ce que vous avez fait, lui a faire pour l'accueillir, etc. C'est pour cette raison donc qu'une conclusion, elle est importante. Elle est importante, c'est pour cette raison que je vous demande d'y accorder une attention particulière. Une attention particulière, pourquoi? Parce que tout simplement, ce sera justement la dernière étape, le dernier acte, d'accord, entre vous et votre correcteur. Dans cette phase donc de conclusion, il y a des éléments qui doivent figurer, parmi lesquels vous devez parler de l'intérêt, d'accord, que l'étude de ce texte a eu à susciter en vous. Autrement dit, qu'est-ce que l'étude de ce texte vous a apporté comme éclairage nouveau par rapport au problème philosophique qui est posé dans le texte. D'accord? Cet élément-là doit y figurer. Mais également, justement, c'est le moment d'évoquer, entre autres, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour l'étude de ce texte. Mais comme on dit également, c'est aussi le moment d'ouvrir des perspectives. Mais les élèves, j'attire votre attention sur le fait que les élèves ont l'habitude d'ouvrir des perspectives terribles et horribles. Pourquoi? Parce que tout simplement, et là je vous signale que si vous n'êtes pas capable de d'ouvrir une perspective pertinente, mieux vaut faire une conclusion fermée et vous en limiter là. Parce qu'il y a 2 types de conclusions. Il y a ce qu'on appelle une conclusion ouverte et une conclusion fermée. Une conclusion, elle est fermée lorsque, tirant le bilan de la réflexion, elle s'arrête sans ouvrir de perspective. Elle est dite ouverte lorsque, justement, après avoir tiré le bilan de l'étude que vous venez de faire, vous ouvrez une perspective. Qu'est-ce qu'une perspective? C'est tout simplement un pan du problème qui n'a pas été pris en charge par l'auteur et que vous avez eu du mal à évoquer dans la phase de discussion, vous dites que prochainement, éventuellement, nous pourrons orienter le débat dans ce sens-là. Voilà, en gros, donc, les attentes, tout simplement, du commentaire de texte philosophique de manière très ramassée, parce que généralement, on fait ce cours en plusieurs heures. Je vous remercie. Voilà, mes chers amis, artistes et créations, un texte de Anne Bodard, qui était pour nous un prétexte pour parler du commentaire de texte philosophique. C'était pour la RTS une façon de faire clin d'œil aux élèves. On vous a proposé
un premier sujet de dissertation. Et ici, aujourd'hui, au niveau du lycée mixte Maurice de la Fosse, nous avons proposé le commentaire de texte. À tous les élèves du Sénégal, nous souhaitons un bon bac et qui commencera par une belle épreuve de philosophie. Et on se retrouvera plus tard. Au revoir.